Bonjour à toutes et à tous, bienvenue depuis le circuit de Monza en Italie pour vivre la 14e manche de ce championnat du monde de Formule 1 avec les points sur les différentes évolutions de chacune des écuries. Vous le voyez, c'est toujours McLaren Honda qui mène pour l'instant les débats avec la 5e et dernière évolution moteur installée au sein de la MCL 32. En ce vendredi matin, ce sont les nuages qui nous accueillent au-dessus du mythique autodrome de Monza avec au programme du jour deux séances d'essais libres qui devraient se passer notamment sous le soleil, on l'espère, en après-midi. Pour le moment, les pilotes sont en train de se préparer. Vous voyez les premières images qui nous parviennent du paddock de Monza avec les différents mécaniciens qui s'affairent à préparer les voitures pour la première sortie de ces bolides qui, au passage d'ailleurs, sera la dernière en Europe. Nous partons effectivement pour l'Asie avec Singapour et le Japon. Ce sera pour les deux prochaines épreuves, mais pour l'heure, eh bien, nous sommes encore en Europe dans le temple de la Scuderia Ferrari et du sport automobile italien. La première séance d'essai libre est souvent utilisée par les pilotes pour s'acclimater au circuit, un circuit qui a été nettoyé par la pluie pendant 3 jours, il y a donc très peu de gomme. En parlant de gomme, on va vous préciser le placement fait par Pirelli au niveau des choix des gommes avec les pneus médium à bande blanche que vous voyez ici montés sur la McLaren de Stoffel Vandoorne, les pneus soft à bande jaune et les pneus super soft à bande rouge. Voilà pour les pneumatiques. Ceci étant dit, on va maintenant continuer la découverte de ce circuit avec, vous le voyez, une McLaren qui désormais jouit d'une vitesse de pointe bien améliorée comparée à ce que l'on avait déjà. Alors, on se rappelle du Grand Prix de Spa-Francorchamps qui avait été marqué par de nombreux accrochages. Mais malgré ces nombreux accrochages, et bien fort heureusement, on ne déplore aucun blessé. Verstappen a eu très très chaud à haut du raidillon et ça montre à quel point la tension est présente dans ce championnat du monde et la lutte entre les hommes de tête s'intensifie. Attention dans le S d'Ascari ici, une Red Bull, c'est Daniel Ricciardo qui va gêner un petit peu Stoffel Vandoorne. On va évoquer la gestion des pneumatiques, je vous ai déjà parlé des gommes allouées par Pirelli pour ce week-end italien, mais je ne vous ai pas encore parlé de la tenue de ces gommes qui va bien au-delà de la question de la stratégie. C'est simplement la sécurité qui est remise en cause puisqu'on annonce jusqu'à 4 arrêts au box. Et vous le voyez, pour Stoffel Vandoorne, la découverte s'est bien passée au niveau de cette première séance d'essai libre. C'est Sébastien Vettel avec la Ferrari qui s'est montré le plus véloce devant ses petits camarades. Tout le monde a évolué en pneus soft et en pneus médium. On constate que les McLaren ont toutes les deux roulé en pneus médium et sont un petit peu en retrait, ce qui est logique. J'évoquais donc les pneus Pirelli, la stratégie à 3 ou 4 arrêts pour certaines équipes. C'est ce qui est en train de passer un petit peu comme information dans les paddocks, puisque la piste, je vous le disais, donc avec la pluie qui a eu lieu et qui est tombée ces 2-3 derniers jours, eh bien, a été complètement gommée et les pneus sont un peu trop tendres pour le côté abrasif de la piste, je vais y arriver. Et donc Pirelli s'est décidé de nous monter des pneus intéressants. On a pensé un instant avoir les ultra soft, mais ça se détériore tellement vite que même une stratégie où vous souhaitez un arrêt et un run avec des pneus médiums, il faudra au moins s'arrêter 2 fois. Donc ça s'annonce très technique au niveau des stratégies pour demain. Il ne faut pas oublier non plus le risque de voiture de sécurité qui est toujours important ici à Monza, notamment au départ avec le rectifilo, cette chicane très serrée où on voit chaque année, ou en tout cas souvent, des morceaux de carbone voler. En ce qui concerne la gestion proprement dite et des pneumatiques, vous voyez que pour Stoffel Vandoorne, eh bien, c'est un petit peu plus compliqué que d'habitude puisque habituellement les sections, les tours se passent dans le mauve et ici on est dans le vert, ce qui témoigne une nouvelle fois de la difficulté de gestion de ces gommes Pirelli ici sur un circuit comme Monza, puisqu'en plus il fait très chaud et que si nous avons de la pluie encore ce week-end, ce qui risque d'arriver, eh bien ça pourrait de nouveau redistribuer les cartes et la gomme serait de nouveau absente sur la piste. En tout cas, ça nous annonce pas mal de stratégies intéressantes pour dimanche. Tout s'est bien passé pour Stoffel Vandoorne à l'issue de cette deuxième séance du vendredi. On va conclure la journée en tête de nouveau pour Sébastien Vettel devant Valtteri Bottas et Daniel Gadd. Vous voyez qu'on a un petit peu plus de variété dans le choix des pneumatiques puisqu'avant cette soirée, certains voulaient déjà rouler avec les pneus super tendres.
Samedi matin, troisième et dernière séance d'essai libre, c'est à cet instant que les voitures sont préparées pour la qualification. On roule avec le minimum de carburant, le minimum d'appui et les pneus les plus tendres. Et c'est avec ce combo de réglages que s'élance Stoffel Vandoorne pour s'attaquer au chrono de cette piste de Monza, piste mythique que l'on retrouvera avec plaisir l'année prochaine avec peut-être des modifications justement dans cette courbe à grande et cette grande courbe par laquelle nous venons de passer aux côtés de Stoffel Vandoorne qui devrait accueillir une chicane. Ça a été évoqué par la FIA, la volonté de retravailler la sécurité sur ce circuit de Monza. Et on sait que la chicane, la première chicane, on y arrive très vite, mais avec les nouvelles voitures pour l'année prochaine, ça pourrait nous poser quelques soucis de sécurité. Ici, on est dans le deuxième Lesmo, on arrive sur la deuxième zone de DRS. Attention, Vandoorne qui s'est un petit peu loupé. Il a raté une vitesse à la sortie de ce secteur. J'espère que ça ne lui portera pas trop de tort à l'issue de ce run ici en essai libre 3, avant de se tourner donc vers la qualification où c'est décidément une nouvelle fois un nouveau duel qui s'annonce ce week-end. Ça n'est plus la McLaren contre la Mercedes, mais bien la McLaren contre la Ferrari. Ferrari qui a fait un retour incroyable avec Kimi Raikkonen qui s'est imposé à la régulière au Grand Prix de Belgique. Superbe Grand Prix du Finlandais qui avait signé la pole. Il a d'ailleurs été fortement décrié après cette pole position en disant qu'il avait été un petit peu opportuniste, mais finalement non, il a bien mérité cette victoire. Ils étaient les plus rapides chez Ferrari. Ferrari justement place sa voiture 3ème, c'est toujours Vettel qui est le plus rapide, Raikkonen un peu en retrait. Les Williams se sont bien dans le coup, les Manor également, ça nous annonce tout du bon pour la qualification de ce samedi après-midi, dont voici les objectifs pour Stoffel Vandoorne, une deuxième place. Samedi après-midi, et c'est sous les trombes d'eau que le circuit de Monza vous accueille pour vivre la Q1, cette première séance qui se déroulera normalement en conditions mixtes. Il pleut un petit peu moins que les images que vous avez vues il y a quelques instants, qui ont été prises il y a quelques minutes. Ici Sébastien Vettel, l'un des candidats à la pole position. Les Toro Rosso sont également bien à leur affaire. On voit ici la voiture de Carlos Sainz Jr., le pilote espagnol. Toro Rosso qui se remet aussi d'un milieu de saison difficile. Il faut quitter l'Europe devant ses adversaires, c'est souvent décisif. Ici Marcus Ericsson, le pilote suédois qui vit une partie un peu plus difficile de week-end avec Sauber qui, je rappelle, n'a toujours pas marqué un seul point. Et ça fait partie d'ailleurs des objectifs des petites équipes. Profiter Manor, Sauber, Renault, profiter de ces courses avec des stratégies élaborées pour essayer peut-être d'être le plus malin et d'être opportuniste. La première séance qualificative, vous le voyez avec les pneus intermédiaires, il pleut un peu moins qu'en début de séance, il reste moins de 3 minutes dans cette Q1 et pourtant Stoffel Vandoorne est quand même parti avec les pneus intermédiaires, impossible de sortir en pneus slick, ce serait beaucoup trop dangereux. Et à la fin de son premier tour, on voit que Stoffel Vandoorne est 20ème pour le moment, il a déjà rentré un chrono derrière Ericsson et devant Hülkenberg, donc ça sent mauvais pour le pilote belge, il faut réagir à tout prix dans ce run, ce sera sans doute le dernier dont il disposera dans cette Q1. Il est du côté du Lesmo 2 maintenant avec une voiture très capricieuse. Ça glisse beaucoup malgré les pneus intermédiaires qui accrochent bien. Je le disais, la piste manque de gommage et ça ne va pas aider les pilotes à s'y retrouver. On risque de voir d'ailleurs quelques petites pirouettes tout au long du Grand Prix. On rappelle à Stoffel Vandoorne que Alonso est en pole. La pole position provisoire pour le pilote espagnol, mais ça signifie simplement qu'il passe en Q2. Hein. Ça ne veut rien dire. Ici, on va simplement éliminer 6 pilotes. Allez, le freinage de la Parabolica, cette grande courbe qui a quitté son bac à gravier il y a de cela déjà quelques années. Et la dernière relance, regardez, en survirage complet. Un petit peu de vibreur et le transpondeur pour la McLaren. Et les résultats sont donc les suivants avec les McLaren et les Ferrari devant. On va noter à l'issue de cette Q1 quand même l'élimination de Pascal Wehrlein, de Marcus Ericsson, d'Hülkenberg et surtout eh bien, d'Esteban Ocon qui est 17ème. Malheureusement, le Français qui avait fait une belle performance du côté de Spa-Francorchamps se qualifiant en Q3, eh bien ici dans les conditions à peu près similaires, malheureusement, sera bloqué au 17ème rang. Passage de chicane toujours très technique, on est repassé sur une condition de piste sèche, en tout cas la trajectoire est à 95% sèche pour cette Q2, on a donc chaussé les gommes les plus tendres pour tout le monde.
avec comme objectif donc se placer parmi les 10 pilotes les plus véloces. On a de nouveau l'accès au DRS, ce qui n'était pas le cas suite aux conditions de pluie tout à l'heure. Et Vandoorne qui va donc tout tenter pour se placer en pole position, ce qu'il n'a pu réussir depuis trop longtemps, c'est ce qu'il dit. Je perds énormément de points face à Alonso, surtout parce que eh bien, je n'arrive pas à me qualifier devant mon équipier. C'était l'un de ses objectifs au plus profond de lui. Il pensait pouvoir gérer la fin de la campagne européenne beaucoup mieux. Malheureusement, il a été un peu acculé et Alonso a repris légèrement le dessus depuis quelques Grands Prix et il doit inverser la tendance au moins pour le Japon. Voilà donc pour cette cinquième place qui attend Stoffel Vandoorne. Est-ce que ce sera suffisant? Sixième maintenant derrière Bottas. Et c'est au septième rang qu'il terminera. Et on notera donc la onzième place d'Hamilton qui est quand même eh bien bouté hors de cette Q3. C'est un petit peu dommage. Allez, on se retrouve donc dans la Q3. La voilà, cette troisième séance qui ne verra donc pas Lewis Hamilton intégrer ce classement. On notera la performance de Rio Haryanto, le pilote indonésien qui place sa Manor plutôt haut sur la grille de départ avec l'objectif eh bien, top 10 réalisé. Maintenant, voir où ira se placer la petite Manor. Donc, cette Q3 pardon, débute sous le soleil. Vous voyez qu'on a retrouvé un ciel plutôt clément à la fin de cette session du samedi après-midi. Pas de pluie pour la fin de cette Q3, c'est ce qu'on a annoncé à Stoffel Vandoorne. Et le soleil qui tape hein, sur cette McLaren orange. McLaren qui d'ailleurs l'année prochaine devrait revêtir une nouvelle livrée. On parlait d'un orange beaucoup plus terne, en tout cas beaucoup moins brillant, qui dérange parfois les pilotes. Alors ça paraît hallucinant, mais la voiture reflète énormément le soleil et ça dérange même les photographes qui sont allés se plaindre auprès de McLaren. Alors qu'on n'a plus du tout de carburant pour Vandoorne, on court avec les derniers millilitres dans ce réservoir avec la McLaren. Pour l'instant, c'est Vandoorne qui a la pole. Est-ce qu'il peut améliorer devant Vettel? Non, il est en retard de 7 centièmes sur son chrono. Il avait pourtant fait un meilleur tour, donc il est pour l'instant devant Vettel et Raikkonen. Mais finalement, c'est bien la Scuderia derrière Ferrari qui aura sa pole position à la maison avec une très belle performance. On notera tout de même la belle 8e place d'Arianto. Voilà Raikkonen en pole. Bien joué, Kimi. Les objectifs de la course pour Stoffel Vandoorne sont évidemment simples. Terminer au moins sur le podium et devant Fernando Alonso. Dimanche, jour de course à Monza, 14e épreuve de ce championnat du monde 2017 de Formule 1, alors que vous découvrez les pneus alloués pour cette course avec les super soft à bande rouge, les soft et les médiums, et pas de pneus pluie ou intermédiaire aujourd'hui. Il y aura grand soleil cet après-midi sur Monza après les perturbations d'hier. Vous constatez que les tribunes sont bondées, hein, même un peu plus au-delà des gradins. Vous savez que c'est une tradition ici, les fraudeurs, si on peut appeler ça ainsi, en tout cas les tifosi qui se retrouve souvent amassé comme dans les années 60 sur les panneaux publicitaires. En tout cas, c'est un peu moins le cas pour des raisons de sécurité ces dernières années, mais c'était quand même l'une des particularités des supporters italiens. Deux zones de DRS avec deux zones de déclenchement dans ce circuit de 5 km 79 avec Kimi Raikkonen qui a été élu Driver of the Day. C'était pour le Grand Prix de Belgique, le Finlandais qui s'est imposé, alors que vous allez découvrir sur le bas de votre écran les différents classements constructeurs et pilotes. Un point avec Vandoorne, 227 points. 216 points pour Fernando Alonso. Il y a donc 11 unités d'écart entre les deux. Le poleman ici, Kimi Raikkonen, plutôt détendu à son habitude. Hein. Bon, ça ira certainement bien du côté du rectifilo. Allez, on passe ensemble le classement de cette qualification avec donc les deux Ferrari aux côtés des deux McLaren. Pour la première fois cette saison, on va avoir droit à un duel rouge contre gris. Sainz, 5e, bien joué de nouveau pilote Toro Rosso. 7e place pour Viat Rio Haryanto, 8e, Massa, 10e, 11e place pour Hamilton. C'est quand même une petite déception. On notera quand même la 16e place pour Verstappen et la 17e place d'Ocon. C'est vraiment
une déception. Et derrière, on retrouve toujours eh bien, les habitués du fond de grille avec les Sauber et les Renault. Okay, Jeff, can you see as well the temperature on the engine is a little bit too high? Can you check the engine temperature, please? Alerte chez Stoffel Vandoorne, on demande de vérifier la température de la partie moteur, du compartiment moteur de la McLaren. Alors effectivement, il y a beaucoup de pilotes qui hier ont préparé leur voiture pour des conditions un peu plus clémentes. Il avait plu hein, en qualification, il fallait bien passer en Q2 et en Q3. Et c'est vrai qu'on se retrouve maintenant avec des pilotes qui ont des voitures hein, sans doute un petit peu trop chaudes, un peu réglées pour des conditions un peu plus fraîches, qui devraient d'ailleurs arriver, hein. C'est toujours considéré comme nuageux ce Grand Prix, il y a beaucoup de nuages même s'il fait clair, mais cela devrait permettre à certains d'en profiter. Alors au niveau de la stratégie, certains nous ont confié avoir prévu 3 à 4 arrêts, ça va changer au niveau de la stratégie, surtout par rapport aux voitures de sécurité potentielles hein, ici. Il y a 67% de chances de voir une voiture de sécurité sortir dans le premier tiers de course. On va jeter un dernier coup d'œil donc à la grille de départ et avec les bons et les mauvais élèves de ce samedi ici à Monza avec donc Raikkonen en pôle pour le plus grand plaisir des tifosi. Va-t-on avoir une Ferrari en tête ou une McLaren à l'issue du rectifilon? On verra ça dans quelques minutes. Arianto 8e, un retour aux affaires de l'équipe Manor. On espère qu'avec Esteban Gutiérrez, ils vont pouvoir faire aujourd'hui quelque chose de bien avant de quitter l'Europe. Lewis Hamilton 11e, ça c'est une grosse déception alors qu'il avait pu recoller au classement à Bottas et Vettel et Raikkonen qui sont titulaires de 135 et 133 points, là où le Britannique n'en a que 131. On notera aussi que Ricardo est bien placé pour revenir, il est à 97 unités au classement général, le pilote Red Bull. Quant au classement de Verstappen, il est toujours aussi médiocre, ça continue d'être difficile pour le Néerlandais, même si Helmut Marko a confié avoir toujours confiance en son pilote. We have to hurry up for the engine, Jeff. We have to hurry up the grid formation. It's important, we're gonna be too hot on the engine temperature. Alerte donc chez Vandoorne, le moteur est un peu trop chaud et dans le chaudron de Monza, devant les dizaines de milliers de tifosi qui sont venus s'amasser autour du circuit, va-t-on assister à un départ calamiteux de Stoffel Vandoorne? Les feux s'allument, départ du dernier Grand Prix européen de la saison ici à Monza dans quelques secondes et c'est parti, on roule avec un bon envol des deux machines de Maranello avec Raikkonen qui prend la tête devant Vettel à l'extérieur. Attention au passage du rectifilo, ça s'annonce serré, ça va freiner très très tard entre les Manor et les Toro Rosso. Ça bloque un peu les roues et ça semble passer pour tout le monde. Attention Alonso qui s'accroche avec Daniil Viat en tête à queue. Et c'est je crois Verstappen qui va percuter. Sa voiture sort, voiture arrêtée au poste 7, évidemment on l'a sous les yeux. Retour sur la tête de course avec donc les deux Ferrari en tête, drapeau jaune. Et voiture de sécurité. Voiture de sécurité déployée après un départ plutôt brouillon de la part des pilotes. Ah oui, ça a été compliqué. Alors on a perdu personne, il n'y a pas d'abandon, mais la piste était obstruée et il y a beaucoup de débris. Ah ben, on va revoir rapidement le départ depuis la Haas du pilote français Romain Grosjean qui partait 14e sur la grille. Qualification difficile hein, pour l'équipe Haas. Regardez sur la droite, on voit Sergio Perez ici avec et la Force India. On voit Esteban Gutiérrez qui lui prend un excellent envol aussi. Et ben voilà, ça ne peut pas passer. Il n'y avait plus assez d'espace. Et la Red Bull qui n'a pu patienter pour repartir. Et là, évidemment, la direction de course a préféré mettre le drapeau jaune et surtout déployer la voiture de sécurité. Attention, oui, il y a eu contact carrément entre Alonso et la voiture de Bottas au départ. Bottas qui est allé toucher Alonso. Oh, c'était chaud là aussi avec Fernando qui avait tenté de garder l'avantage, mais c'est dommage parce qu'il avait pris un bon départ Kvyat, mais là un peu trop optimiste sur Alonso et ensuite planté sur le gendarme couché avant de se faire percuter par Verstappen. Et oh, arrêt au stand de la McLaren de Vandoorne. Attention, arrêt au stand du côté de chez McLaren. Est-ce que c'est prévu cet arrêt? Parce que là c'est très tôt quand même au bout du premier tour. Ah, et on monte des pneus médiums sur la voiture numéro 91. Okay, Jeff, two stops left, copy.
Deux arrêts pour Van Doorn et il va avoir le droit, voilà, au bout de la ligne droite, de repartir 21e devant Romain Grosjean. Alors, est-ce que c'était un arrêt prévu? On n'a pas, semble-t-il, travaillé sur cette McLaren. On est toujours sous procédure de safety car, bien évidemment. Mais Van Doorn se retrouve désormais avec des pneus médium au 22e rang. Mais il faut dire aussi que les pilotes partis en pneus super tendres n'avaient plus grand-chose à faire avec les pneus. Donc peut-être qu'en perdant un tour, en rentrant sous voiture de sécurité, Van Doorn a peut-être gagné 25 secondes d'arrêt au box. Et ça peut avoir son influence en fin de course, puisque un ou deux tours de moins ici, avec la tenue des pneus, eh bien ça peut ramener la voiture à une autre position, alors que l'on revoit Van Doorn rentrer. Non, c'est un plan du direct. Deuxième arrêt en deux tours pour Van Doorn. Ah, est-ce qu'il n'a pas tenté de rentrer chausser les deux types de gomme sous safety car sans perdre de temps et ainsi avoir un arrêt gratuit? Ça peut être une solution. Et oui, on remonte des pneus soft chez Van Doorn. I'm not sure this is the right situation to use this strategy, but we'll see at the end. Up to speed now. Let's get some heat into those tires. Ouais, vous l'avez entendu, Van Doorn qui ne semble pas convaincu par la stratégie de McLaren. Elle semble lui être imposée, cette manière de faire. En tout cas, ce que l'on sait, c'est que maintenant, le seul qui a pu passer... Oh là, beaucoup de débris au niveau du rectifilo. Le seul qui a pu passer au box et fait deux tours avec les pneus de composition de gomme différentes, comme le veut le règlement, eh bien, c'est Stoffel Van Doorn. Alors là, je pense qu'on joue un coup de poker énorme du côté de chez McLaren. Il va se retrouver avec des pneus tendres, frais, là où les autres seront en super soft usés. En tout cas, il risque d'avoir du mal dans les premiers kilomètres de se débarrasser des pilotes les moins rapides, mais devant, ça peut avoir son influence. La voiture de sécurité va rentrer dans ce tour ici à la fin de la cinquième boucle de ce Grand Prix d'Italie, toujours mené donc par les deux Ferrari devant la Toro Rosso de Carlos Sainz. Les deux Espagnols sont là, donc Sainz devant Alonso, et ensuite on retrouve eh bien, Bottas et semble-t-il Esteban Gutiérrez. Serait-ce Esteban Gutiérrez qui est là devant la Williams de Lance Stroll? C'est possible. Et vous voyez donc le peloton aux ordres de Kimi Raikkonen, toujours sous drapeau jaune. On voit Van Doorn derrière qui est en train de chauffer ses pneumatiques, prêt à dégainer, si vous passez l'expression. Voilà, ça va relancer pour Raikkonen. Retour sous régime de drapeau vert ici à Monza. Et on roule de nouveau avec les deux Ferrari en tête. Tout le monde est debout devant nous. La tribune est levée. On n'a pas encore droit au feu d'artifice. Il est encore tôt dans le Grand Prix, mais... La ferveur est là et une victoire peut-être italienne qui va déjà être mise à mal par l'attaque de la Toro Rosso. Au rectifilo, est-ce que Sainz peut s'emparer du deuxième rang face à Vettel à l'extérieur? Oh, c'est passé pour Sainz. Et bien voilà, Vettel qui s'est fait surprendre. Alors qu'on est avec Van Doorn qui se bat en quart image. Vous avez l'image aussi de Fernando Alonso en lutte avec... ses petits camarades. Oh, Van Doorn à l'extérieur dans la courbe à grande sur les deux Renault avec deux roues dans l'herbe, magnifique. Oh, c'était très tendu, mais il ne doit pas perdre de temps s'il veut faire fonctionner sa stratégie. Quel dépassement du pilote belge. Oh là là, là il a joué très très lourd. C'était quelque chose d'assez tendu. Un retour avec la McLaren en caméra embarquée à la chasse maintenant dans la descente du deuxième. Lesmo toujours sans DRS, il va aller chercher la Sauber 2, je pense. Pascal Wehrlein a vérifié. Et c'est Wehrlein qui s'est fait dépasser. Voilà Alonso devant nous qui passe également entouré de la voiture de Vettel. C'est chaud devant pour la deuxième McLaren également. Ici Van Doorn qui remonte et on va assister dans les prochaines secondes aux premiers arrêts de ce Grand Prix. On voit Massa à la lutte aussi au premier plan avec... Ricardo Stroll et tous ses petits camarades. Oh, c'est avec Hamilton, je crois, que ça se bat. Oh, et ça rentre, voilà, ça y est. Et le meilleur tour en une, 24-448 pour Stoffel Van Doorn. Ça remonte, il est déjà 7ème. Mais lui a déjà observé son arrêt au box. On a vu ressortir une Mercedes. On voit Raikkonen également de sortie des box. Alonso chaussé en pneus tendre. Super tendre pour Massa. Donc ceux-là vont... probablement opter pour 4 arrêts à la régulière. Et on va Rio Oriento qui passe au premier rang sous le nez de Bottas. Alonso qui ressort également. Attention parce que là, on va avoir droit à des stratégies différentes et surtout avec des voitures qui possèdent des compositions de pneus un peu différentes. Le leader de ce Grand Prix d'Italie, pour le plus grand plaisir des supporters italiens, c'est lui, c'était Sébastien Vettel. Retour avec Van Doorn qui continue la chasse. On est dans la descente vers le Lesmo, il attaque Esteban Ocon. Et il passe le Français sans problème avec sa McLaren.
c'était Sergio Pérez, pardon, non pas Esteban Ocon, qui est en ce moment d'ailleurs en train de rentrer. Drapeau jaune du côté de la chicane Ascari. Oui, on a deux voitures arrêtées du côté de la chicane Ascari. C'est Romain Grosjean. Et je crois qu'il y a Nico Hülkenberg également qui est en tête à queue. Il y a sans doute dû avoir un accrochage entre les deux voitures. Va-t-on avoir droit à une voiture de sécurité? Parce que là, la piste semble obstruée alors que les arrêts au stand se poursuivent. L'attaque ici sur Sergio Pérez. Après Stoffel Vandoorne, c'est Lewis Hamilton qui va, je pense, s'attaquer au Mexicain. Et Hamilton qui passe. Oui, mais là, il y a deux voitures arrêtées au niveau d'Ascari. Qu'est-ce qui s'est passé alors qu'Ocon est en lutte avec l'une des As? Mais Romain Grosjean n'est pas passé au deuxième transpondeur, tout comme Nico Hülkenberg. Et Raikkonen n'est plus là. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà Raikkonen au box. On ne l'a pas vu depuis notre cabine parce qu'on est trop loin. Mais Raikkonen qui change le capot avant, le museau de sa voiture. Il a de nouveau d'ailleurs chaussé des pneus super tendres. On aimerait bien des images de ce qui s'est passé parce que là, il y a drapeau jaune pour nous dans le secteur 14, 15 et 16. On est avec Julian Palmer. C'est un replay. On va voir ce qui s'est passé. De la fumée devant. Oh, l'accrochage entre Palmer et, semble-t-il, Kevin Magnussen. Non, c'est Romain Grosjean. Non, c'est bien Kevin Magnussen et non pas Romain Grosjean qui est appliqué dans cet accrochage. Et Magnussen qui sort dans le gravier. Il revient en piste et il est percuté par Nico Hülkenberg et Romain Grosjean qui casse sa suspension. Voilà, on est avec Romain Grosjean maintenant. Ah oui, voilà, là ça a été beaucoup trop loin. Romain Grosjean qui a donc été piégé. On revoit ça en vue télévisée depuis l'extérieur. Eh oui, la voiture qui part au large, la Haas, alors qu'on a l'arrêt au stand de Sébastien Vettel, le leader en carimage. Oui, c'est une piste obstruée, pardon, voiture arrêtée au poste numéro 23. C'est de la fumée qui nous parvient, alors que oui, Raikkonen est allé percuter. Je crois, oui, c'est Hülkenberg qui était arrêté. Raikkonen qui est allé percuter la Renault. Oh, qui lui a quasiment arraché une roue. Raikkonen peut continuer, c'est un miracle, alors qu'on a une voiture arrêtée devant nous. Il y a de la fumée qui arrive jusque chez nous. Gros choc hein, pour Nico Hülkenberg, mais on a une voiture qui semble arrêtée devant nous. On a des commissaires qui agitent les drapeaux. Non, c'est une fausse alerte. Que s'est-il passé? Alors qu'ici, on retrouve Alonso en lutte avec les deux Toro Rosso. Il y a également la Renault rescapée de Julian Palmer devant, mais Hülkenberg donc a abandonné, tout comme Romain Grosjean, Kevin Magnussen, Raikkonen qui ont été impliqués dans l'accident peuvent continuer. Voici les pilotes impliqués dans l'accident. Eh bien, ça continue à se chamailler. Et après la grosse sortie de Verstappen à Spa, ça continue à se chamailler et à sortir. On a de gros accidents pour l'instant sans trop de conséquences, fort heureusement, sur les pilotes, mais ça devient de plus en plus impressionnant. Ici Alonso qui cherche à gauche à droite à dépasser l'une des Toro Rosso. Ils arrivent à Ascari, attention, et Alonso qui passe même Palmer. Voilà, deux voitures éliminées en un virage, alors que là il y a encore des débris hein, de la Haas et de la Renault. Alonso qui continue et qui va s'attaquer, je crois, à Rio Arianto. Ouais, l'Indonésien qui laisse passer. Oh, Alonso qui doit bloquer ses roues mais qui prend l'avantage. Et bien voilà, ça continue de remonter pour les McLaren Boys après ce qu'il s'est passé. Alonso qui est également un peu plus loin. C'est assez bizarre. Attention, ça ressort des boxes. On a Gutiérrez là sur la droite. Est-ce que... Oh, on a une voiture arrêtée sur la gauche. Il y a une voiture arrêtée sur la gauche. C'est Lewis Hamilton qui s'est arrêté au bord de la piste. La Mercedes qui est arrêtée. On le voit sur une autre image. Vous ne l'avez pas à l'image, vous. Directement, on va essayer de vous, je l'espère, vous montrer cela. Pourquoi ne voit-on pas la voiture arrêtée d'Hamilton? Il était actuellement au classement général 6ème avec 131 unités. Voilà ce qui s'est passé. Casse moteur sur la Mercedes. Ce n'est pas de chance. Incroyable ce qui se passe chez Mercedes. Quand ça n'est pas Bottas qui casse, c'est Hamilton. Il y a au moins un bloc allemand qui casse par Grand Prix. Et ça commence à faire beaucoup. Le son est clair, c'est un moteur. Ah, quel dommage pour Hamilton qui doit donc mettre pied à terre ici à Monza. C'est dommage vraiment parce qu'il était parmi les pilotes qui pouvaient aller gêner les Ferrari, dont la marche triomphale n'est pour l'instant pas mise à mal par leurs adversaires. Vandoorne. Ok Jeff, soft tires, copy, soft tires. Vandoorne qui confirme auprès de son ingénieur la prochaine stratégie. On repartira sur un train de pneus soft normalement pour le prochain arrêt.
Et si on jette un coup d'œil au classement, on notera que Pascal Wehrlein et Marcus Ericsson, qui sont partis en pneu médium, n'ont toujours pas ravitaillé dans le 10e tour de ce Grand Prix d'Italie. On jette un coup d'œil au graphique. Sur le bas de votre écran, on a pu constater que Fernando Alonso et Stoffel Vandoorne souffrent de leur pneumatique arrière. C'est le cas de tout le monde ici. Ce sont les pneus arrière qui souffrent plus que de mesure avec cette piste peu gommée. Attention, l'attaque peut-être de Valtteri Bottas. Il est ici sur, Daniil Kvyat, le pilote russe qui, sur la Toro Rosso, a donc une bonne carte à jouer. Attention, parce que ça commence à faire pas mal de pilotes éliminés. On a déjà perdu 3 voitures. Je rappelle qu'on a perdu donc sur un accident Romain Grosjean, Nico Hülkenberg et maintenant casse moteur pour Lewis Hamilton. Oh, attention, il y a une voiture arrêtée. Il y avait une voiture arrêtée dans le deuxième Lesmo. Qui est-ce? Est-ce que ça ne serait pas Fernando Alonso au ralenti? Puisqu'on a Vandoorne à l'image qui tourne. C'est une voiture rouge ou orange, une Ferrari ou une McLaren? Oui, c'est Alonso qui est arrêté dans le deuxième Lesmo. Qu'est-ce qui s'est passé? Catastrophe pour la McLaren, est-ce qu'il peut repartir? Il a l'air de tourner comme si de rien n'était, mais il est tombé au 14e rang, l'Espagnol. Attention, Alonso qui s'est arrêté sur la piste, il a pu repartir, mais que s'est-il passé à la sortie de ce deuxième Lesmo? Alors qu'ici c'est Raikkonen qui s'attaque à Arianto dans la chicane Ascari. Arianto qui a pas mal de stigmates sur le ponton droit de sa Manor. Ça a dû jouer du frotti-frotta avec... les autres pilotes. Retour sur Vandoorne qui mène donc ce Grand Prix. Et la stratégie de Vandoorne peut fonctionner. Arrêt au box pour Carlos Sainz. Ici c'est Esteban Ocon, le Français, qui chausse un nouveau train. Donc ce sera 3 arrêts pour cela. C'est désormais une certitude. La stratégie pour l'instant serait donc de 3 arrêts. Et la régulière, oh là là, il y a encore beaucoup de débris dans cette chicane Ascari. Je ne comprends pas qu'on n'ait pas déblayé la piste. On n'a même pas eu droit à une safety car virtuelle. Alors que là, pour Alonso, on constate que c'est le tour le plus rapide inscrit par le pilote espagnol. Vandoorne qui continue malgré ses pneus usés. Et est-ce qu'on ne serait pas en train d'aller chercher une stratégie avec un arrêt de moins du côté du leader? Et ça peut être intéressant face à Vettel, ou en tout cas s'il emmène un peu plus loin ses pneumatiques. Eh bien, il pourrait être tenté de chausser un train d'ultra soft. Retour sur la lutte entre, semble-t-il, Carlos Sainz avec Massa. Non, c'est Daniil Kvyat. Décidément, ces casques chez Toro Rosso se ressemblent beaucoup trop. On a déjà du mal avec Verstappen et Ricciardo, mais alors là, c'est encore une nouvelle solution qui peut être apportée de changer les couleurs de certains casques. La lutte juste derrière est également intense pour la 15e position entre Rio Arianto et Carlos Sainz. Carlos Sainz qui est d'ailleurs, s'il continue de la sorte au niveau du classement général, potentiellement capable d'aller chercher un baquet chez Red Bull. Et il va peut-être encore nous le montrer à l'instant avec ce dont il est capable. Non, on soulage. Alors que devant, on ne soulage pas. Ça va passer peut-être pour Felipe Massa sur Kvyat dans le rectifilo. Non, le Russe qui résiste. Et c'est passé finalement pour Felipe Massa sur Daniil Kvyat. Retour en tête avec donc Vandoorne. 12e tour de course. Va-t-on assister à l'arrêt? Oui, je pense, vu la trajectoire de la McLaren. Ça rentre, attention à la limite. 80 km/h dans les box. Et Vandoorne qui va donc repartir. Il a pour l'instant 21 secondes, à peu près 22 sur Sébastien Vettel. Le pilote, il devrait y arriver. Allez, ça se passe bien. Et on monte des pneus médiums. That there is one more stop for ultra soft. One more stop for ultra soft. We'll be doing one more stop today. One stop left in our strategy. Okay, some information on Bottas. They're speeding up again, so I expect they fix whatever the problem was. Alors qu'on a notifié qu'il y avait un problème du côté de Valtteri Bottas. L'arrêt au box s'est donc bien passé du côté de Vandoorne, qui disait à son ingénieur qu'il le demandait. Confirmation d'un dernier arrêt en pneu super soft, donc on va bien avoir droit à un nouvel arrêt pour les deux leaders. Palmer au box. Alors qu'on a vu que Vandoorne était ressorti juste devant Vettel. Belle lutte entre les deux. Des super tendres pour la Renault rescapée. Renault qui souffre et qui souhaiterait d'ailleurs pour l'année prochaine refaire son line-up à la personne de Julian Palmer, qui pour l'instant est bien en dessous des résultats. Alors ça paraît assez absurde pour quelqu'un d'extérieur, mais par rapport à Hülkenberg, Palmer ne satisfait pas du tout chez Renault, même s'ils ne sont pas non plus à 10 places d'écart dans le classement. Ici avec Ricciardo,
est l'un des pilotes les plus frustrés de ce championnat, certainement avec Verstappen. La voiture marche bien mais n'est pas fiable. On a eu beaucoup de casse moteur de la part du bloc Tag Heuer, qui est en fait un bloc Renault au sein de cette Red Bull. Et pour l'année prochaine, on évoque peut-être la fin d'un contrat avec... on en a parlé, mais on va peut-être le réévoquer. Le retour d'Aston Martin qui se confirme. Aston qui a confirmé et développé un moteur pour la Formule 1, mais on n'a pas de date. Est-ce que ce sera déjà pour l'année prochaine? Si oui, va-t-on avoir droit à... Il y a des voitures déjà signées sous contrat avec l'équipe. Ce que l'on sait, c'est que Sauber est en discussion avec Honda pour créer une deuxième équipe avec donc McLaren et Sauber. Ce n'est pas la seule équipe qui est en discussion. Il y a également, ne riez pas, Force India qui sera en discussion avec le constructeur nippon. Mais tout cela est bien évidemment à prendre au conditionnel. Rien n'est officiel. On vous tiendra évidemment au courant des informations validées et avérées au fur et à mesure de chaque saison. Ce qu'on peut constater également, c'est que Kimi Raikkonen chez Ferrari, malgré qu'il ait remporté le Grand Prix de Belgique, reste toujours en suspens. Là où Vettel pour l'instant est plus à son affaire, toujours de 2 points devant Raikkonen. La Scuderia Ferrari qui souhaite rajeunir également son line-up. On sait qu'il y a pas mal de jeunes qui sont actuellement dans les catégories inférieures et dans la filière. On pense à Charles Leclerc, le monégasque, notamment Antonio Giovinazzi, l'italien. Donc il y a peut-être des choses qui se préparent pour l'année prochaine, mais la clé des transferts pour l'instant, elle est entre les mains de deux pilotes, Kimi Raikkonen et Stoffel Vandoorne, qui seraient sur le point de quitter leur maison respective. Alors évidemment, on est en Italie, vous le savez, en Italie ça y va avec les rumeurs, c'est toujours la période qui est propice à cela, et il y aurait une rumeur qui courrait comme quoi l'année prochaine chez Ferrari on pourrait avoir un duo belgo-germanique avec pourquoi pas Vandoorne aux côtés de Vettel ou Alonso avec Raikkonen. Mais ce qui semble se dessiner dans les futures semaines, ce serait le départ d'un des deux pilotes de l'équipe McLaren, ce qui ne doit pas être une décision facile à prendre pour les responsables. On pense à Eric Bouillet, à Ron Dennis qui sont en train de travailler sur la communication, et McLaren prend un coup dans l'aile malgré tout. Alors évidemment, on parle de Jenson Button également, qui fraîchement mis à pied il y a de cela 2 ans pour laisser sa place à Vandoorne, pourrait également revenir par la petite porte si Alonso décide de partir, si ça ne va pas. On est sur crise du côté de chez McLaren. Il n'y a plus la bonne entente pour développer la voiture. Vandoorne qui est dans le gravier, attention à la sortie d'Ascari. Oh, est-ce que les pneumatiques ne seraient pas en train de flancher? Attention, parce que Stoffel Vandoorne se fait rattraper par Sébastien Vettel. Et oh, le pilote belge qui est à la dérive complète. Il y a un souci sur cette voiture, c'est pas possible. Est-ce que c'est un problème de pneumatique? Alors qu'ici on switch sur la voiture de Marcus Ericsson, qui est pour l'instant dans les points. Les Sauber qui sont pour l'instant 7 et 9e de ce Grand Prix. L'attaque ici de Massa sur Arianto. Ah, et Raikkonen derrière qui remonte petit à petit. On l'a vu gagner 2 positions sur notre tableau. C'était Ricardo là qui était à la lutte. Et Vettel qui est passé. Vettel est passé en tête. On n'a pas vu le dépassement. Est-ce qu'Alonso est derrière, revient ou pas? Non, Alonso est encore au ralenti, semble-t-il, alors que Vandoorne va attaquer dans la parabolique. C'est superbe. 2 roues dans l'herbe pour la McLaren. Et ils vont ressortir côte à côte. Magnifique. La lutte pour la tête de ce Grand Prix d'Italie. Alors que, on vous le rappelle, vous pouvez désormais votez pour votre driver of the day. Et Vandoorne reprend l'avantage avec le DRS juste devant nous. Et ça chauffe dans les tribunes et ça chauffe en piste. Et vous voyez les freins au rouge pour Vandoorne. On a freiné très très tard sur ce rectifilo. Et regardez l'espace avant de retrouver là-bas au fond la 3e voiture, celle d'Alonso qui est donc derrière normalement Esteban Gutiérrez, qui est pointé 3e de ce classement provisoire. La lutte dans la 2e chicane avec un Vandoorne très à même des vibreurs. Il aime bien aller chercher ses bordures. Ça lui a coûté cher par le passé. Mais il a toujours ce style très agressif quand il doit attaquer. Sortie du 2e Lesmo. On voit la stabilité de la Ferrari là où la McLaren est en survirage total. La lutte pour la tête et la victoire ici en Italie qui vaut beaucoup de choses. Vettel peut-être confirmé chez Ferrari. Vettel peut-être évincé à la fin de la saison si ça ne va pas pour aller chez McLaren. Pourquoi pas? Allez, on peut lancer des paris fous. Qui ne dit pas que ces deux-là seront peut-être dans la même voiture l'année prochaine? On ne sait pas.
tout se joue. Ce qu'on sait par contre, c'est que chez Mercedes, il y aurait déjà des contrats de signés pour Bottas et Hamilton. Hein, ça ne bougerait pas. C'est la seule équipe où on sait que Toto Wolff et Niki Lauda veulent garder une continuité dans le line-up. C'est une volonté. Attention Alonso qui se retrouve de nouveau à la chasse des Toro Rosso. Et donc vous pouvez retrouver un lien dans la description pour voter pour votre driver of the day, le pilote du jour. Et on rappelle que c'est Kimi Raikkonen qui, pour la première fois avec plus de 50% des suffrages, s'est vu adjuger le titre à Spa après la pole et la victoire acquise de manière autoritaire. Ça rentre au box pour différentes voitures. Et devant sa attaque, on a la Toro Rosso de Daniel Ricciardo qui cherche à trouver l'ouverture alors que ça ressort des box pour Sergio Perez. Ça va peut-être empêcher l'Australien de porter son attaque. Est-ce que Perez peut se mettre devant Massa? C'est important. Oh, Massa avec les pneus chauds et Perez, ils sont côte à côte dans la courbe à Grande. Ça va être beau. On voit ça depuis la voiture de Ricciardo. Et Alonso derrière qui se place, la brochette est très très resserrée. On revient sur Van Dorn en tête avec Vettel à ses trousses. Vettel en pneu médium qui a un petit peu lâché. Van Dorn qui semble avoir récupéré une deuxième jeunesse dans la teneur de ses gommes. Et ça fait plaisir de voir que l'on peut résister avec les pneus Pirelli. L'attaque pour Verstappen, je crois, ici à l'extérieur sur la voiture de Marcus Ericsson. Ça passe. Là, Sauber qui est battu, mais on est toujours aux portes des points. Sauber qui pourrait, pour la première fois de la saison dans cette 14e épreuve, inscrire un point. On a donc Marcus Ericsson qui est pour l'instant 9e de ce Grand Prix. 2 points peut-être au bout pour les pilotes de l'équipe de Monisha Kaltenborn. C'est tout ce que l'on souhaite à la petite structure. Alors que ça ressort pour Sébastien Vettel, qui est donc le premier à avoir craqué. Dans les derniers tours, il est rentré chaussé des pneus soft. Alors là, c'est intéressant. Va-t-on avoir des pneus soft également chaussés du côté de Van Dorn? What's my gap to Vettel, Jeff? What's the gap to Vettel? Alors évidemment, du côté de chez Jeff, l'ingénieur de Van Dorn, on confirme que l'on va repasser au box puisque Vettel est rentré. C'est ce qu'on a dit au pilote belge en tête désormais. Alors qu'ici, on a la lutte qui se poursuit dans les box entre Massa et Ricciardo. Et donc on a voilà Stoffel Vandoorne qui est donc en tête avec une avance de 22-23 secondes sur Vettel à vérifier. Maintenant il faut tenir peut-être un tour ou deux du côté de Vandoorne et chausser des pneus super tendres et ressortir face à Vettel pour tenter de gagner ce Grand Prix. Et si Vandoorne, qui est très large dans la parabolique, parvient à s'imposer en ayant rentré sa voiture 4 fois dans les box au cours de ce Grand Prix, ce sera un record là où Vettel ne l'aura arrêté que 3 fois. Et la stratégie aurait donc fonctionné, mais ça serait extrêmement limite. Ici, on a Sergio Perez qui s'est donc fait déborder, vous l'avez vu, par Fernando Alonso qui va de nouveau perdre gros au championnat. Si Van Dorn parvient à s'imposer aujourd'hui, ça va être un nouveau coup dur pour Alonso qui avait réussi à refermer l'écart qui le séparait de son équipier. L'arrêt de Raikkonen. L'arrêt de Kimi Raikkonen en pneu tendre qui va stopper dans les box devant les tribunes bondées et on met des pneus médiums. Ça, c'est peut-être pas s'il n'y a tout simplement plus de pneus super tendres du côté de la Scuderia. Ok Jeff, pit in this lap, pit in this lap. Where is Vettel at the moment? Where is Vettel now? Et on demande évidemment où se trouve Sébastien Vettel puisqu'on joue la victoire face à la Ferrari. Van Dorn va sans doute stopper à la fin de ce tour, c'est ce qu'il vient d'annoncer à la radio. Est-ce que là, McLaren plonge? Voilà, c'est maintenant au tour des mécaniciens de faire leur travail et de jouer peut-être la victoire de ce Grand Prix d'Italie. La première victoire pour Stoffel Van Dorn, peut-être depuis quelques courses. La possibilité pour Vettel également de marquer le coup face à ses adversaires, 135 points. On rappelle, Vettel à égalité avec Bottas qui est en difficulté. Et ce sont des ultra tendres, des super tendres, pardon, que Lochon s'avendorne ou qu'il aura l'avantage. Thanks Jeff, great stop guys, great stop. Et il félicite ses mécaniciens Van Dorn. Et Vettel, il arrive, ils sont côte à côte. Vettel va être en tête dans le rectifilo. Voilà le scénario idéal. Vettel en tête avec les pneus tendres. Van Dorn avec les super tendres, pardon, je vais y arriver juste derrière. Et maintenant, c'est un rush au finish entre les deux pilotes jusqu'au bout. Avantage à Van Dorn avec des pneus plus rapides et des pneus plus tendres. Mais va-t-il avoir assez de tenue dans ses pneus? Ne vont-ils pas s'écrouler avant la fin? Van Dorn qui plonge peut-être dans la deuxième chicane? Non!
Oh, la caméra qui a donné cet effet d'optique de voir les deux voitures côte à côte. Et bien que c'était serré la sortie des boxes, mais Vettel est pour l'instant en tête de ce Grand Prix d'Italie. La Ferrari va sans doute tout faire pour s'imposer. DRS pour Van Dorn, DRS pour Stoffel Van Dorn dans les échappements de la Ferrari. Il déboîte. Va-t-il attaquer au freinage d'Ascari? Van Dorn en tête. Changement de leader ici à Monza avec donc la McLaren qui récupère la première place. La Ferrari à l'aspiration, peut-être un retour de Sébastien Vettel devant, poussé par le public. Absolument gagner ce Grand Prix, c'est un devoir qu'a Vettel, je pense, pour la Scuderia. Alors que je rappelle, voilà, le driver of the day, à vous de voter là, à mon avis. Vous avez deux candidats à ce titre à l'image. Vettel, DRS ouvert, qui va s'attaquer à Van Dorn peut-être au bout de la ligne droite. Il se rapproche de la McLaren, il se porte presque à la hauteur du pilote belge, mais ça ne peut pas passer. Van Dorn qui bloque ses roues. Attention, Van Dorn qui a bloqué les deux roues avant. Il est dans le gravier. Est-ce qu'il peut revenir sous le nez de Vettel? Ils se sont touchés. Vettel qui revient juste à temps en piste pour éviter Van Dorn qui était dans le gravier. Que c'est serré ces derniers tours du Grand Prix d'Italie, incroyable. Van Dorn, Vettel, faites vos jeux, qui va remporter ce 14e Grand Prix de la saison 2017 de Formule 1? Incroyable lutte entre les deux hommes qui ont beaucoup à jouer. Van Dorn a un titre de champion du monde, là où Vettel doit signer un contrat pour l'année prochaine. C'est lui ou Raikkonen, ça a été clairement dit par Sergio Marchionne, et c'est le pilote avec le plus de points qui gardera son volant. L'autre sera remercié, champion du monde ou pas. Ça a fait d'ailleurs un coup de tonnerre dans les journaux lorsque ça a été évoqué à une semaine du Grand Prix d'Italie. Vettel qui a une très bonne sortie d'Ascari. Vettel qui est très bien placé peut-être pour porter une nouvelle attaque. Il déboîte à l'extérieur pour la parabolique. Ils sont côte à côte de nouveau. Sans DRS cette fois-ci. Est-ce que Vettel peut refermer sous le nez de Van Dorn? Ils sont de nouveau tout à fait ensemble dans la parabolique. Van Dorn qui va avoir le DRS pour peut rendre l'avantage alors que Vettel a repris désormais la tête du Grand Prix. L'aspiration, la McLaren sur la gauche, c'est osé de choisir l'extérieur et il n'attend même pas le rectifilo pour prendre la tête. C'est fait. Van Dorn en tête. Quelle magnifique bagarre entre les deux pilotes ici à Monza. C'est superbe ce à quoi nous assistons. On est dans les dernières boucles évidemment. Il va rester 5-6 tours peut-être dans ce Grand Prix d'Italie pour déterminer le nom du vainqueur. Mais la lutte là est absolument somptueuse parce qu'on a deux voitures qui se valent en DRS, en vitesse de pointe et en performance. Et on a deux grands pilotes évidemment qui s'affrontent. Van Dorn de nouveau dans l'herbe. Et on sent que Vettel par expérience est un petit peu plus à l'aise dans ce duel que le pilote belge hein, qui a l'air d'être un peu plus sur le qui-vive. Attention, nouveau DRS pour Vettel. Regardez dans le rétroviseur, ça s'ouvre. Pas possible pour Vettel d'attaquer Ascari, mais il peut se rapprocher pour avoir une très bonne sortie de cette chicane. Van Dorn toujours à la limite. Vettel qui ressort bien mieux d'Ascari. Écoutez, on entend le public qui crie jusque dans notre cabine. Ça vibre ici à Monza. Vettel peut-il déboîter? Pas dans la parabolique. Et regardez l'écart. L'écart avec le reste du peloton et la troisième place pour l'instant qui, on ne l'a pas mentionné, mais avec l'arrêt de Valtteri Bottas revient à Esteban Gutiérrez, c'est le Mexicain qui pour l'instant est troisième. Vettel à l'aspiration, DRS ouvert, va-t-il déboîter sur Van Dorn dans la ligne droite? Il essaie à droite, à gauche. Et la McLaren qui résiste bien avec sa vitesse de pointe qui est la meilleure du plateau. Et regardez ça dans le rectifilo, ils sont quasiment ensemble. C'est magnifique, Van Dorn beaucoup plus sur les vibreurs. Ça attention parce que Van Dorn peut certainement être beaucoup plus en difficulté que Vettel à la fin des quelques tours qu'il reste dans ce Grand Prix d'Italie, puisque Vettel a des pneus tendres qui sont certes moins performants que ceux de Van Dorn, mais qui ont plus de longévité. Van Dorn qui a chaussé ses pneus tendres à 6 tours de la fin au 21e. Il y en a 27 à parcourir aujourd'hui cet après-midi. Et nous entrons dans les derniers kilomètres de ce Grand Prix avec les deux leaders côte à côte. Troisième place acquise pour Esteban Gutiérrez. Nouveau DRS pour Vettel dans la descente vers Ascari. Van Dorn à la limite. Est-ce que Vettel peut se porter menaçant? Il déboîte sur la McLaren à l'intérieur dans la chicane. Ascari, c'est passé. Vettel en tête. Retour en tête pour Sébastien Vettel. Ces deux-là s'échangent les positions. Alors que la caméra était en retard tellement il passe vite. Rendez-vous compte. Van Dorn à l'intérieur peut-être par rapport à Vettel.
Vettel qui bloque ses roues à l'extérieur, attention. Et il referme la porte intelligemment. Le champion du monde, et c'est lui qui aura couvert ce nouveau tour en tête. Superbe duel entre les deux hommes. Franchement, là c'est du caviar qu'ils nous servent cet après-midi ici à Monza. Superbe passage de nouveau dans la ligne droite. Ah, ici, je ne vous dis pas ce que l'on va subir si Vettel remporte ce Grand Prix. Ça va être très compliqué de se retrouver avec le trafic qu'il risque d'y avoir. Vandoorne reprend la tête, il rate son freinage dans la deuxième chicane, mais Vettel ne peut pas passer. Vettel ne peut pas passer. Alors la seule chose que l'on espère, connaissant le tempérament de Vandoorne et des deux garçons surtout, c'est qu'on ne va pas terminer cette lutte dans le gravier. C'est possible, hein. C'est possible que cela arrive, on est à l'abri de rien, rappelez-vous. Le Grand Prix de Belgique, Vandoorne qui s'accroche et avec Alonso et avec Hamilton. Renseignement pris auprès des garçons, Hamilton a dit j'étais beaucoup trop optimiste dans le radio. Là où Alonso a dit il ne m'a pas vu, il m'a clairement fermé la porte. Ça vous donne un petit peu une idée hein, de la philosophie qui règne en ce moment chez McLaren. Ça n'est plus la belle et bonne entente. Vettel qui est bien ressorti, il essaie à gauche à droite. Vandoorne qui protège, attention au double changement de ligne qui est interdit. Vettel sur l'extérieur peut-être pour reprendre l'avantage au freinage de la parabolique. On sait que la Ferrari est mieux sur les freins et ça passe. Vettel en tête. Superbe duel, les deux voitures qui s'échangent des positions toutes les quatre courbes. Vandoorne avec le DRS qui va porter une nouvelle attaque sur Vettel, voilà, devant nous, il passe. Incroyable, on se croirait revenu l'an dernier au Grand Prix de Bahreïn. Et cette année également avec la lutte qui avait opposé Vandoorne à Alonso, on s'en rappelle, ça avait été très très agréable à suivre. Et bien on est de nouveau dans cette situation. Alors ça n'est pas un duel à mort, mais c'est un duel à la survie. Véritablement, chacun a ses intérêts à défendre, que ce soit le titre de champion du monde ou sa place au sein de son équipe. Et imaginez l'année prochaine si ces deux-là font équipe au sein d'une voiture, d'une équipe dont la voiture est performante, ça peut être absolument incroyable. Alors qu'on ne l'a pas à l'image, mais on peut vous préciser, vous l'avez vu, c'est désormais Fernando Alonso qui, avec sa stratégie décalée, est pour l'instant titulaire du tour le plus rapide en course. Attention, c'est large dans le deuxième, l'ESMO pour Stoffel Vandoorne. Les pneus arrière usés sur la McLaren. Et c'est Vettel qui se porte à l'extérieur peut-être avant le freinage d'Ascari. Retour en tête de la Ferrari. Le champion du monde allemand qui reprend l'avantage sur Vandoorne. Celui-ci va peut-être avoir une meilleure sortie d'Ascari. Il est à l'aspiration. Oh, il s'est un peu loupé, Vandoorne, là, sur le dernier vibreur. Et Vettel qui va se retrouver en tête à l'entame de la dernière boucle de ce Grand Prix. Nous entamons le dernier tour avec Vettel en tête. Qui va l'emporter? Attention, Vandoorne à l'intérieur. Ils sont côte à côte. Alors qu'il y a le panneau qui indique que c'est le dernier tour de course. Voilà qui est brandi. Dernier tour ici à Monza. Et Vandoorne qui reprend la tête. Superbe. Superbe duel entre les deux. Pour l'instant, Vandoorne tient la victoire. Et il a besoin de cette victoire. Alonso est un peu plus loin alors que derrière Gutiérrez vient de passer devant nous. Voilà, vous le voyez dans le fond de l'image, la Manor qui est troisième. Formidable résultat pour la petite équipe britannique face à Toro Rosso et face à la structure Force India. Vettel ne va plus avoir beaucoup d'opportunités s'il veut tenter de passer. Ce sera la sortie de la chicane Ascari ou peut-être avant même avec l'aspiration du côté de l'ESMO. Vandoorne à la limite, il n'y a pas d'autre mot. Oh, ça glisse encore! Ça glisse encore pour Vandoorne à la sortie du deuxième. L'ESMO, est-ce que Vettel peut réattaquer? Vettel qui choisit de nouveau l'extérieur, c'est décisif peut-être pour la victoire de ce Grand Prix d'Italie. Vettel sur la droite, Vandoorne sur la gauche. Vettel qui referme. Vandoorne qui garde l'avantage, non! Ils passent absolument ensemble dans la chicane Ascari qui va virer en tête. Ils sont côte à côte dans la ligne droite de retour, c'est magnifique! Qui va l'emporter? Vettel devant, Vandoorne à l'intérieur, à l'aspiration peut-être. Et ça va passer à l'intérieur, attention au freinage qui sera le plus franc. Et Vandoorne qui prend la tête dans le dernier tour de ce Grand Prix d'Italie. Victoire de la McLaren, voilà c'est fait. Au nez et à la barbe de Vettel qui aura tout tenté pour gagner devant les Tifosi. Woohoo! Great victory, super work Jeff, super work for the strategy. I wasn't really confident about the strategy, but yeah, anyway, it's a victory. Thanks, Jeff. Thanks, everyone in the team. We're back!
Et le contraste entre ce que l'on peut vous faire vivre et ce qui se passe dans les radios des pilotes alors qu'ils sont à 350, voire plus, dans les lignes droites. Victoire de Stoffel Vandoorne à l'issue d'un superbe duel avec Sébastien Vettel. Les deux méritaient la victoire. Je pense que pour le driver of the day, ça va se jouer entre ces deux-là. Le podium avec donc Vandoorne, vainqueur devant Vettel et Esteban Gutiérrez sur la Manor. Superbe résultat donc pour l'équipe Manor qui en avait fortement besoin. On va s'attarder évidemment sur la cérémonie avant de vous rappeler quand même les différents classements de ce Grand Prix avec les gagnants et les perdants. Évidemment, les gagnants sont là sur votre image, mais on va quand même évoquer Hamilton qui a souffert et surtout Fernando Alonso. Ça aura été difficile pour certains, mais en tout cas, cette bagarre était de toute beauté. Ça a été d'une intensité incroyable. J'espère qu'elle vous aura plu avec voilà, les résultats de ce Grand Prix d'Italie. Sergio Perez, formidable, 5e position derrière Bottas. Stroll avec la Williams, magnifique résultat également pour la Williams. Alonso ne sera que 7e. Verstappen rentre dans les points. Sainz également. Et Sauber qui marque son premier point de cette saison 2017 avec eh bien Pascal Wehrlein qui se glisse à la 10e place devant Marcus Ericsson. C'était bien joué pour eux. Raikkonen termine 14e après son gros accident. Magnussen termine en retard tout comme Palmer qui est à plus d'une minute des vainqueurs. Et les abandons finalement pour Hamilton sur casse moteur et l'accident entre eux. Eh bien, Romain Grosjean et je crois Hülkenberg. Voilà, le classement général avec désormais le point fait et l'écart fait par Vandoorne, 30 unités entre les deux hommes de tête. Derrière, ça a également pas mal bougé. On notera donc l'arrivée de Pascal Wehrlein à la 19e place du classement avec les points. Au classement constructeur, eh bien, c'est Manor qui fait la belle opération en reprenant de manière assez franche l'avantage sur l'équipe Toro Rosso. Voilà, merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce superbe Grand Prix d'Italie. Je vous donne rendez-vous très vite pour le Grand Prix de Singapour. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Et moi, je vous donne rendez-vous dans de nouvelles aventures. À la prochaine, au revoir.